Je reste optimiste malgré les mauvais résultats. Bon, c'est vrai qu'en tant que supporter du Standard, on ne comprend pas qu'on joue un match terrible contre Bruges et puis qu'on va faire un nul ridicule à Mouscron, qu'on fait un match valable contre Genk. Sur l'ensemble du match, peut-être que le nul est mérité, mais je me pose toujours la question si sur le goal du Standard annulé, il y avait hors-jeu. Et puis, on va se faire matraquer à Zulpa et Guem, ça, c'est à rien comprendre. Mais comme disent certains joueurs du Standard, c'est le Standard. Sortir un gros match et puis la semaine d'après, être battu. Il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup d'accolades, il y a beaucoup de retrouvailles, mais j'ai entendu aussi, pour en avoir discuté un petit peu avec Correux en avant-match, qu'il me disait qu'il n'y aurait pas de cadeau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il s'attendait à un match extrêmement dur. Avec Yukel Roth qui finalement reste en place, Marine la frappe, oh, elle prend le poteau, ouais, sur le poteau. La base du poteau. Cette frappe de Marine. Le deuxième ballon qui est récupéré par un joueur de l'Antwerp, alors que maintenant Mbokani va faire 1-0. Non ! Oh là là, je disais qu'il n'y avait pas eu d'occasion jusque-là, mais celle-là, c'est une occasion. 3 étoiles. Rafaïlov face à Ochoa. Grosse responsabilité pour Rafaïlov. Il s'élance et il trompe sans problème. Ochoa, contre-pied impeccable. Solution avec Louis Ndama, non, pas en tout cas sur le premier ballon, peut-être sur le deuxième. Marine, là il a bien éliminé son adversaire direct, le centre, la reprise de Louis Ndama, un peu acrobatique. Marine, et le décalage, Lestienne, ça doit être goal ça. Oh là là, Lestienne. Elle est complètement oubliée dans la défense anversoise. Marine. C'était bien donné, ça, pour Louis Ndama qui était passé devant Van Damme, côté gauche. Voilà, au deuxième poteau. Il y a quelqu'un au deuxième poteau. Lamkelze, il va faire 0-2. Lamkelze, 0-2. Voilà, c'est terminé. Alors, du côté du Standard, c'est Leifis qui prend la frappe et qui met ça en force dessus. Voilà, l'arbitre, c'est terminé. Il siffle la fin. Et aujourd'hui, le Standard n'est pas parvenu à mettre suffisamment cette équipe en difficulté. Ils ont une armada physique impressionnante. Ils ont des joueurs techniques qui peuvent garder facilement le ballon, certainement dans la zone offensive, où c'est très difficile quand ils prennent un appui haut de récupérer. Donc c'est très difficile contre une équipe comme celle-là de garder une pression constante. Il y a des moments qu'il faut saisir. On en a eu à 0-0, le shot sur le montant, peut-être l'une ou l'autre possibilité. Et on en a eu à 0-1 pour pouvoir revenir au score. Mais je dis, il n'y en a pas eu énormément, bien sûr. Mais on ne peut pas se créer énormément d'occasions contre une équipe aussi forte dans l'organisation et dans le physique et dans la taille. Je vais faire un peu de temps.
Danger. Oui, bah, le pull, c'est assez, il va faire 20 degrés. À Krasnodar. Ouais, j'aurais oublié partout, mais ils iront également avec les 21. Puis ils feront une ou deux séances avec moi en plus. Arnaud, tous les jours, tous les matins. Il y a Louche également, mais Louche, Poco et Merveille qui reviennent un peu de blessure. Donc on essayera de les intégrer également. Allez, bravo, bon Martin. Allez, alors, à dans 6 semaines. Like civilian for real, and I hardly take offense. Money for revenge, man, that's hardly an expense. I'll hand it checks off of all of my events. Et les épaules à 7. Voilà, mets-le à 7. Bah, disons que justement, on a profité des 6 semaines pour faire un bon travail. Et là, ça a bien évolué. Ouais, excellent. Non, mais c'est bien. J'ai mes jambes chargées. Ouais, mais normal, on continue à stimuler. Ok, bien. Hop. Vas-y, ouais, super. Donc, je suis là en train de bouger. Pam, pam, j'envoie, ok? Dans ma tête, je compte. Une, deux. Voilà, et je bouge, je me déplace. Toujours déplacement, bien sur mes appuis. Moi, je viens du sport de combat. Je fais du MMA, donc qui part du principe de la boxe, du Muay Thai, de la lutte, jiu-jitsu brésilien. Allez, bougez un peu plus, les gars, bougez un peu plus. Voilà, un peu plus de mouvement, sans bouger, plus de mouvement. L'objectif ici aujourd'hui, par exemple, ce cours, c'était vraiment travailler sur le relâchement musculaire, parce qu'on a tendance, c'est vrai que beaucoup de... Dans le football, on est un peu raide par rapport au terrain, et donc ici, dans les arts martiaux, on privilégie beaucoup de relâchement, de la souplesse, ce qui évite beaucoup les blessures, donc les mouvements sont beaucoup plus fluides aussi. Mehdi, tiens-moi ! Voilà, c'est bien. Mehdi, tiens-moi ! Deux autres, les gars. Si, je suis plus fort qu'eux. J'ai des petits frères, ça, tu vois. Bien exprimé aussi, hein. Voilà, on a tout le souffle. Voilà. Et un pas de retrait. Ouais, c'est mieux le foot, un peu derrière un ballon. Ouais, physiquement, c'est balèze, ce qui est. C'est balèze. Là, on c'est mieux, ouais. Attention ici, ton pied, tu vois. Si tu te restes comme ça, tu vas déboîter le genou. Bien. Tu vois qu'on fait 3 sets alors. Là, à la base, il a de bonnes qualités de force. Mais là, sur les 5-6 dernières semaines, on a fait que ça. Avec pas mal, voilà, transfert, de sauts, etc., des charges légères, la puissance. Donc ouais, on a profité du temps qu'on avait pour justement bien bosser. Apparemment, ça paye un peu ses fruits. Hein. Attention, elle est quand même un peu plus grande. Alors, c'est peut-être encore trop facile, c'est à toi de me dire. La résistance, elle est plus à... Voilà, on en fait deux. Attention, le bassin, ouais, en avant. Ok, là, tu reviens. Ouais, super. Ça fait 5-6 semaines que je m'entraîne. J'ai eu 8 mi-temps la semaine passée. Là, lundi, j'ai eu 72 minutes. Donc là, lundi qui suit, j'espère faire les 90 minutes ici. Contre le Corinne, donc ouais. Parfois c'est dur quand Kevin il commence à s'emballer là. Maintenant quand il a bu son café et qu'il parle très très rapidement là, c'est dur. T'aimes trop le café Kevin. J'avoue, il y a une petite addiction. Non, tout va bien. Je fais toutes les séances, pas de douleur. J'enchaîne les entraînements sans trop de soucis. Donc ouais, je me sens prêt. Je fais bien mes soins avant et après la séance. Je m'étire bien, je fais mes entraînements. Pour l'instant, j'ai juste la première semaine où j'ai un peu galéré. J'ai tout qui s'est enflammé, pubis, les abdos, le tout, mais ça c'était parce que j'avais repris sur le terrain. Et après tout a été très très normalement, donc j'enchaîne tout très très bien, j'ai pas de douleur, je compense pas pour l'instant, donc je suis content. Plus loin, hop. Allez, tout ça, on rentre sur ça là, paf. Ah ok, c'est bon, bonne jambe. Oui. Je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes autour qui en entendent plus de nous, que ce soit les supporters ou autres, mais moi en tout cas ici, je vois les gars, je sais qu'on est sérieux, on travaille. On fait de notre mieux, on n'a pas les résultats espérés actuellement. Mais je suis sûr que ça va arriver, ça va finir par payer. On est un peu difficile, un peu voilà. Un effet yo-yo, j'ai envie de dire. Une semaine bon, puis 3 jours
plus tard un peu plus difficile. Mais bon, je pense que ça arrive dans chaque équipe. Et comme je disais avec le coach, je pense que tôt ou tard, ça va finir par payer. Il faut juste trouver les bons réglages. Travailler ici, tout ce qui est extenseur de hanche, qui travaille aussi bien le fessier et l'ischio en même temps, simultanément. Pour les sprinteurs, travailler qualité de vitesse, explosivité, c'est pas mal. Voilà, bien amener justement le bassin un tout petit peu plus en avant. Voilà, super. Enchaîner les quatre d'un coup. C'est balèze, comme dit. Tu l'as déjà fait ici? Non? Il faut s'habituer à la hauteur, à la profondeur. Ouais, sur le dernier. Donc c'est pour ça, mais ici, le premier, tu vas le passer. Il y a peut-être moyen de passer le deuxième. Alors après, étant donné que tu auras été un peu déséquilibré, ça, c'est chaud d'enchaîner les quatre. Mais c'est l'objectif sur la deuxième série. Bah, 4. Allez, t'essayes d'aller chercher. Ouais, encore, ouais. Voilà, voilà. Je mets pas de pression. Le plus important pour moi pour l'instant, c'est enchaîner les entraînements. Rester fit, ça fait 5-6 semaines que j'ai repris sans souci, des petits bobos par-ci par-là, mais c'est normal, tout le monde en a. Donc voilà, on verra bien après la trêve internationale, on a des matchs intéressants, Open, Séville, puis déplacement à Bruges. Bon, j'ai déjà quand même un peu noté mon calendrier, donc ce serait pour moi top que d'ici là je sois prêt pour aider l'équipe. Quand tu veux. 50,4. Déjà le premier, t'es déjà au-dessus de 50. Là t'es chaud, tu termines dedans. On va réenchaîner. Ouais. Quand tu veux. Mais non, mais non, c'est pas possible. 60 500,1, c'est bon. Ça c'est ce qui s'appelle bien terminer la séance. Bien gros. Et voilà, travail terminé. C'était ce qui était prévu à la base déjà quand j'ai signé au Standard de Liège, c'est qu'il y a un suivi professionnel comme les autres joueurs dans d'autres clubs l'ont. Et donc on a une préparation physique, suivi nutritionniste, kiné et les entraînements sur console. Et pour un joueur comme moi, il fallait passer par là. Ah, tu te sens mieux, hein. Dans la vie de tous les jours, tu récupères mieux, tu dors mieux. Sûrement, après d'avoir cette dépense physique là. C'est un de mes objectifs cette saison, c'est d'être le premier champion Pro League. Parce qu'avant on avait des championnats de Belgique, mais là on parle de la Pro League, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus officiel. Et même si j'ai déjà été trois fois champion de Belgique, je veux l'être avec le Standard.